Bonjour à tous et à toutes. Nous voici repartis pour une nouvelle aquarelle, une miniature 18-13 comme la précédente. Là, je vais partir d'après une photo. Je m'en inspirais. Une vue de Pontivy, un pont des bâtiments comme vous avez vu sur la photo, le modèle. Là, je vais faire un rapide croquis des masses. Le format aurait mérité d'être un peu plus long, plus large, un peu comme des films cinémascope. Mais bon, on va s'en inspirer. Je pense que j'en referai un autre avec un modèle un peu plus grand. Je ne fais plus grande. C'est approximatif, je ne vais pas faire une photo. Sinon, je ferai de la photo. Et quelque chose de représentant, d'approchant quand même. Je trouve la lumière assez jolie, enfin la composition. Une photo réussie. Et qui m'a inspiré dès que je l'ai vu. Bon, je rentre pas dans les détails. Je suis pas assez grande. Hein. Ça fait rien, c'est une atmosphère que je voudrais rendre. Voilà. Je rentre pas plus dans les détails, c'est le pinceau qui va décider. Donc je prends quel pinceau? J'ai pris ce pinceau, le sabre, je l'aime bien. On va commencer. Je vais mouiller. Faire Je prends du bleu. Je vais dégrader. Je ne rajoute pas de pigments. Pas vraiment un lavis, un dégradé. Je vais attaquer l'eau. La prochaine fois, je prendrai des pinces parce que, bien sûr, ça gondole. Avec l'eau, c'est normal.
pied. Chose que j'aurais dû préparer avant, mais bon. Je suppose que beaucoup d'entre vous doivent être comme moi. Bon, ce sont des eaux paisibles aussi. Eau paisible, la Pontivy. Un peu de verre, je vais attaquer le... verre de... de la rive, jolie herbe. Un avion qui passe. Je vais laisser sécher un petit peu et je reprendrai après. Je vais le mettre entre deux. Je vais attendre qu'il sèche d'abord, puis je le mettrai entre deux feuilles à sécher pour que ça s'aplatisse. Bon, ça a séché un peu. Je vais travailler sur les valeurs là. Enfin, je fais un peu. Je fais comme je le sens. Hein. Alors, les valeurs. Alors, ça, c'est un pinceau aquarellable. Avec du noir. Du noir ou du. J'ai acheté ça à Action. Il y avait quatre couleurs. La première fois que je m'en sers. Et ça m'a l'air indélébile en plus.
concentration. Pas encore à l'aise avec mes repères là. Mais le support il est un peu souple et c'est pas terrible. Sujet que je reprendrai intéressant. Je me retrouve, il faut que je trouve mes repères dans ce fourgon là, c'est petit comme espace. Ah, une astuce, hein, je viens de. Je m'en sers pour. Je vais aller chercher du verre. Donc ça me fait un verre. qui est. Un peu plus foncé puisque c'est un feutre noir. En fin de compte, j'aime pas trop les sujets imposés parce que il n'y a pas la liberté de complète quand on travaille d'imagination. Mais bon, de temps en temps, c'est un bon exercice aussi. Des fleurs qui sont sur le rebord du balcon du pont. Je pense qu'avec ce pinceau là, ça peut être intéressant. Travailler les valeurs en même temps que les couleurs.
Ouais, je perds pas de temps avec des détails. On suggère juste. Ah, je vais quoi? Je continue. Le format est petit aussi. J'ai cherché un peu de verre. Je vais changer de pinceau, prendre de l'eau et je vais éclaircir un peu ici, voilà. Attraper des blancs. Bon, l'ambiance est donnée à peu près. Je vais laver un peu le ciel là, pour récupérer ce petit nuage là. Et un peu plus bas. Ça s'appelle la récupération de blanc. Bon, je l'ai déjà dit, mais là, on peut récupérer les blancs avec de plusieurs manières. Je pourrais gratter jusqu'au papier. Je pourrais faire pas mal de choses. Enfin, ajouter du blanc, tout simplement aussi. Et là, c'est pas vraiment une récupération de blanc. Il y a le drawing gum aussi. Bon, je vais le laisser comme ça. Je vais mettre un petit oiseau peut-être. Quelques petites. Je vais ajouter quelques touches de blanc.
Je vais ajouter quelques herbes là-devant. Là, c'est plus foncé. J'ai perdu mon pinceau. J'ai fait des. Il se cachait. Il faut que je trouve mes marques absolument. Là. Les hommes, ils peuvent pas faire 36 choses en même temps, contrairement aux femmes. Tout le monde le sait. Il se recache encore. Les voûtes sont pas, je sais pas du tout respecté, mais c'est pas grave, c'est une ambiance que je voulais rendre. Je reprendrai ce modèle, je le quelque chose de plus fini, de plus étudié. Je vais nettoyer. Ce que j'ai sali avec de l'eau claire. On va tout foutre le camp, là. Ça va pas ça. Revenu comme il faut. Je frotte un peu plus. C'est mieux. Bon, il y aurait pas mal de choses à faire encore, mais je pense que je vais m'arrêter. Quelques valeurs, ça va pas. Techniquement, c'est pas le pied là. Quelques touches de blanc et cette petite étude sera finie. Détails de lumière que qui ajoute toujours beaucoup plus de réalisme, enfin, à mon avis c'est l'effet que ça me fait moi. Il marque pas beaucoup moi. Feutre Pascal. Ouais, je fais un peu de détail parce que c'est au premier plan. Au premier plan, on peut détailler un petit peu, mais à l'arrière-plan, on n'en a pas besoin. Ah, j'ai fait une grosse tache. Oula. Ah ben, ça y est, ça va rester. Ah ben, je vais signer. Dans le coin en bas à gauche. Je vais prendre un feutre noir.
si je le trouve. Ouais. Voilà. J'espère que cet accord vous aura plu. Techniquement, je vais essayer de m'améliorer. La position, etc., le matériel, que ça ne bouge pas. Enfin, je suis resté dans le cadre, c'est déjà pas mal. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à une prochaine vidéo. N'oubliez pas, un pouce bleu si ça vous a plu. Par contre, si ça vous a plu, mettez un commentaire. Pourquoi ça vous a plu. Et si un pouce en bas, dites-le aussi. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Je ne vous engueulerai pas, promis. Allez, à la prochaine.